Bonjour, bonjour, assalamu alaikum. Donc, inshallah, on va commencer nos cours de communication. Ni kangoul communiquer en français, ça veut dire dialogue. Yani, si wahed kader maya ou ana kanjawbou, ou là, le vice versa. Yani, l'axo, sahih. Alors, notre premier dialogue, c'est à la boulangerie. Yani, fil mkhbaza. Alors, had le dialogue adna qui dort fil mkhbaza. D'abord, je vais commencer la lecture. An qra le dialogue. Comme ça, vous savez comment prononcer. Yani, kifash tntqou mzyan. Ou had dik sa'a, on passe à l'explication. Yani, ndouzo l'sharh. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour. Je voudrais 3 croissants au beurre, un pain au raisin et un pain au chocolat, s'il vous plaît. Oui, ça sera tout. Qu'est-ce que vous avez comme tarte? J'ai des tartes aux pommes ou des tartes aux fraises. Je vais prendre une tarte aux fraises. Oui, c'est pour combien de personnes? Pour 6 personnes. Voilà, monsieur. 60 dirhams. Voilà. Merci, monsieur. Au revoir. Merci. Bonne journée. Alors, on a le dialogue entre l'employé, يعني داك العامل اللي عندنا في المخبزه et le client, يعني الشخص اللي جاي باش يشري شي حاجه. Donc automatiquement داك السيد ملي كيدخل كيقول لينا هذاك l'employé, يعني العامل, monsieur bonjour. Donc le client va répondre automatiquement bonjour, je voudrais. Alors bonjour, je voudrais. Salam alaykoum, بغيت. Alors qu'est-ce que tu veux? Ou bien, qu'est-ce que dit Anna Kenstam, le conditionnel, je voudrais, pour exprimer la politesse. Donc, bonjour, je voudrais, par exemple, 3 croissants, 2 croissants, je sais pas, 2 petits pains au chocolat, ou bien 2 pains au chocolat, ainsi de suite. Ou une kemelhab, s'il vous plaît. S'il vous plaît, et merci, kif katarfou, huma, les mots magiques. Donc, mensage, s'il vous plaît. Donc, oui, ça sera tout, yani hetchi, ça fait rir hetchi. Qu'est-ce que vous avez comme tarte? Donc, qu'est-ce que vous avez comme tarte? Qu'est-ce que vous avez comme pain? Alors, l'employé a des explications. J'ai des tartes aux pommes et des tartes aux fraises. Alors, non? Il y a une explication. Je vais prendre, par exemple, une tarte aux fraises. Ou là, je vais prendre une tarte aux pommes, une tarte au citron, ainsi de suite. Donc, oui, c'est pour combien de personnes? L'employé souligne la tarte. Donc, pour 6 personnes. Mais nous disons pour 6, hein? Non, on dit pour 6 personnes. Donc, voilà, monsieur, 60 dirhams. Donc, on a le prix. Voilà. Donc, comme client, je lui donne l'argent. Voilà. Donc, l'employé, merci, monsieur, au revoir. Merci, monsieur, bonjour. Merci, monsieur, au revoir. À bientôt, bien. Bonne journée. Donc, voilà le dialogue d'aujourd'hui.